tout ce qui se trouve sur le marché de Daoukro, qui est notre chef lieu de département, provient de nos deux sous-préfectures. En fait, nous sommes le grenier du département de Daoukro. Mais étant enclavé à cause du manque de bitume, il se trouve que nous avons des problèmes pour écouler nos produits. En tout cas, c'est un cri de cœur. La reconstruction du marché, la réparation des pompes villageoises, l'assainissement de la ville, l'autonomisation des femmes. Autant de doléances que les femmes de Daoukro entendent présenter au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, lors de sa prochaine visite dans la région de Lifou, visite prévue du 14 au 17 septembre. Pour parler d'une seule voix, elle décide donc de s'unir au sein d'une association, l'association des Diamants des Tokro et Samanza. À la tête de l'ADES, Kwasi Josiane Godé, sa vision, faire des femmes de Daoukro des actrices de développement. L'ADES revendique plus de 600 membres. Engagée dans la lutte contre la pauvreté, l'organisation fonde beaucoup d'espoir en la visite du chef de l'État.